Non, c'est passionnant parce que chaque projet est particulier, parce que en plus c'est vrai qu'il y a plein de choses encore à découvrir, plein de systèmes à mettre en place, donc c'est vraiment passionnant. Et puis encore une fois, c'est chaque motivation, chaque individu étant différent, chaque motivation va être différente, qui va définir un projet ou de choix des essences différentes, où on va avoir des espacements, des gestions en fonction du matériel que la personne a. Donc vraiment, chaque projet est particulier. Donc c'est en ça où c'est vraiment intéressant. Le conseil forestier pur, on est à l'application de techniques rodées depuis des décennies, sans se poser trop de questions. À partir du moment où on a choisi l'essence en fonction d'un terrain, on plante à telle densité, voilà, puis on revient. Enfin, voilà. Alors que là, vraiment, ça nécessite de se poser aussi un tas d'autres questions, d'aborder des thématiques comme le paysage, l'environnement, la qualité des eaux, etc., que en tant que forestier pur et dur, on ne serait pas forcément amené à se poser, quoi, par rapport au quotidien du travail, que ce soit de l'exploitation forestière ou de la gestion de domaines forestiers, quoi. Voilà. Donc une ouverture d'esprit beaucoup plus importante. Maintenant, je suis cool. Bien, merci beaucoup, Sacha Villiers. Putain, je me frise.